Celui qui ne livre pas son âme au mensonge.
Celui qui ne livre pas son âme au péché. Celui qui ne livre pas son âme au péché. Et qui ne suit pas pour tromper. Et qui ne suit pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. La miséricorde du Dieu de son salut. La miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le baptême de la génération qui l'invoque. Voilà le baptême de la génération qui l'invoque. De ceux qui cherchent ta face. De ceux qui cherchent ta face. Dieu de Jacob. Dieu de Jacob. Pâte. 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 Pâte du Togo. Pâte du Togo. Élevez-vous lentement. Élevez-vous lentement. Élevez-vous. Élevez-vous. Pâte cette année. Pâte cette année. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans le combat. L'Éternel puissant dans le combat. Pense. Pense. Élevez vos lenteaux. Élevez vos lenteaux. Élevez-les. Élevez-les. Portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? Qui est donc ce roi de gloire? Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. Le premier et le dernier. Le premier et le dernier. Le roi des rois. Le roi des rois. Le Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur des Seigneurs. Celui qui règne. Celui qui règne. Celui devant qui tout genou fléchit. Celui devant qui tout genou fléchit. Celui devant qui les anges fléchissent les genoux. Celui devant qui les anges fléchissent les genoux. Et proclame sa divinité. Et proclame sa divinité. Il est le Dieu de toute chair. Il est le Dieu de toute chair. Le Dieu de toute âme. Le Dieu de toute âme. Le Dieu de tout esprit. Le Dieu de tout esprit. Saint, 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 saint. Saint, 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 saint. Et le Seigneur Dieu. Et le Seigneur Dieu. Le tout puissant. Le tout puissant. Qui était. Qui était. Qui est. Qui est. Et qui vient. Et qui vient. Saint, 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 saint. Saint, 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 saint. Et le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant. Qui était. Qui était. Qui est. Qui est. Et qui vient. Et qui vient. Saint, 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 saint. Saint, 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 saint. Et le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant. Qui était. Qui était. Qui est. Qui est. Et qui vient. Et qui vient. Saint, 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 saint. Saint, 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 saint. Et le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant. Qui était. Qui était. Qui est. Qui est. Et qui vient. Et qui vient. Saint, 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 saint. Saint, 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 saint. Et le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant. Qui était. Qui était. Qui est. Qui est. Et qui vient. Et qui vient. Saint, 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 saint. Saint, 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 saint. Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant. Qui était. Qui était. Qui est. Qui est. Et qui vient. Et qui vient. Saint, 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 saint. Saint, 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 saint. Et le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant. Qui était. Qui était. Qui est. Qui est. Et qui vient. Et qui vient. Voilà le roi de gloire. Voilà le roi de gloire. Voilà le Seigneur des Seigneurs. Voilà le Seigneur des Seigneurs. Voilà le Dieu en qui nous croyons. Voilà le Dieu en qui nous croyons. Jésus. 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 Jésus.
Jésus. Jésus. Jésus. Alléluia. Amen. Voilà, peuple de Dieu, la proclamation de la divinité de Jésus-Christ sur la nation togolaise. La Bible déclare: heureux la nation dont l'Éternel est Dieu. Amen. Heureux la nation dont Jésus-Christ est Dieu. Amen. Heureux la nation qui reconnaît la divinité de Jésus. Amen. Heureuses toutes les nations qui se confient en Jésus-Christ. Amen. Qui ouvrent la porte au feu du réveil. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Acclamons pour Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, peuple de Dieu. Nous sommes là, au Togo. Est-ce que tout le monde comprend? Oui. Alléluia. Amen. Sinon, je préfère que quelqu'un ait été prêt, en Dieu ou Amina, pour qu'on sache qu'on est au Togo. Alléluia. Amen. Voilà, peuple de Dieu. Nous sommes au Togo. Alléluia. Amen. Nous sommes au Togo. Sur la terre togolaise. Et nous savons que le peuple togolais, c'est un peuple charmant. Un peuple accueillant. Un peuple très hospitalier. Vous avez constaté comment ils sont venus nous accueillir. Gloire à Jésus. Donc, nous sommes ici pour un grand moment de réveil. Nous allons passer de grands moments ensemble pour semer le feu du réveil sur le sol togolais. Nous allons présenter la sainte doctrine. À la nation togolaise. À tout le peuple togolais. Pour que le peuple togolais sache comment adorer Dieu en esprit et en vérité. Nous savons qu'il y a beaucoup de chrétiens au Togo. Nous savons que le Togo craint Dieu. Mais ce qui manque véritablement au Togo comme ailleurs, c'est le véritable évangile de Jésus-Christ. L'évangile de la sainte doctrine. Quand on parle de la sainte doctrine, ça résonne comme une incantation aux oreilles de beaucoup de serviteurs. Parce qu'ils ne savent pas ce que cela signifie. Mais le Seigneur Jésus-Christ, qui aime ses enfants, qui aime aussi le Togo, il a équipé le groupe Jésus revient. Le groupe Jésus revient. Qu'il a suscité comme un feu de réveil qui est en train d'embraser toutes les nations. Le Seigneur Jésus-Christ nous a équipés et nous a dit: allez au Togo. Allez prêcher la sainte doctrine. Allez baptiser les gens au nom de Jésus. Parce que désormais, ce n'est plus au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, on va baptiser. Le seul nom avec lequel on va baptiser, c'est le nom qui sauve. Et ce nom, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes venus au Togo, envoyés par le roi des rois, pour prêcher la sanctification, pour sortir les enfants de Dieu de la montagne
que soit ta religion, quelle que soit ta dénomination, quelle que soit ta conception, nous t'invitons à te rapprocher de nous parce que nous avons un programme riche en couleurs. Les bonnes choses vont commencer déjà demain. Nous avons des grands moments de caravane à organiser dans toute la ville de Lomé. Des caravanes d'évangélisation dans le carrefour pour évangéliser. Nous avons aussi des grands moments de séminaire. Puis la sainte doctrine, puis la sanctification, et sur plusieurs autres thèmes. Et nous vous invitons à Tochi pour ce grand moment. Nous avons aussi beaucoup d'autres activités, comme la grande conférence publique que nous organisons à Togo 2000. Et nous invitons ici tous les pasteurs des églises du Togo. Nous invitons tout le corps de Christ du Togo à ce grand rendez-vous. Nous invitons tous les chrétiens. Nous invitons même les autres obédiences religieuses. Même si tu es musulman et tu penses que Jésus n'est qu'un messager, c'est parce que tu n'as pas eu beaucoup d'informations sur Jésus. Et Jésus nous a envoyé t'apporter la vraie information. Alors approchez-vous. Ce sera à Togo 2000. Le jeudi, oui, vendredi 9, nous sommes là. Donc préparez-vous. Et à côté de ça, nous avons des grands moments de prière intense. Des grands moments de délivrance, de combat spirituel. Il y aura des guérisons. Amenez vos malades pour voir la main puissante de Jésus-Christ sur la vie. Jésus va briser vos jougs. Jésus va vous libérer des embargos spirituels. Jésus va vous délivrer des esprits de famille, des esprits de femmes de nuit, de mari de nuit. Jésus-Christ est descendu au Togo pour que les esclaves soient libérés, pour que les sourds entendent, pour que les aveugles voient, pour que les paralytiques marchent, pour que les morts soient ressuscités. Voilà, peuple de Dieu, la mission pour laquelle nous sommes ici. Alors préparez-vous pour vivre en direct ces moments forts. Et toi qui es loin du Togo, loin de Lomé, tous ces programmes vont se passer sur votre chaîne préférée, la chaîne du réveil, la chaîne Jésus revient TV. Et ça va se passer aussi sur toutes les plateformes. Que ça soit sur YouTube, que ça soit sur Facebook. Donc nous vous invitons massivement à ce grand rendez-vous. Le réveil a lieu au Togo. Le réveil a lieu. Le réveil a lieu. Le réveil à Dieu. Le réveil à Dieu. Le réveil à Dieu. Toutes les nations sont prêtes à connaître à Jésus. Le réveil à Dieu. Le réveil à Dieu.
prier. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Parce que notre présence en ce lieu, c'est décidé depuis le ciel. Amen. Et pendant longtemps, les ténèbres ont combattu, mais ils ont joué. Amen. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Il y a du deuil dans le monde de Satan. Et il y a de la joie au ciel. Amen. Donc nous allons prier pour confier cette mission entre les mains du Seigneur. Et nous allons demander que le règne de Jésus-Christ descende maintenant au tombeau. Que l'évangile, le vrai évangile, puisse siéger maintenant au tombeau. Commençons par prier au nom de Jésus. Priez, priez, priez. Que le règne de Jésus-Christ se manifeste sur le sang togolais. Que Jésus règne au Togo. Que Jésus règne sur les nations. Que la sainte doctrine soit instaurée au Togo. Que l'évangile authentique prenne corps au Togo. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas prier. Tu vas prier. La Bible déclare que les dieux qui n'ont point créé le ciel et la terre disparaissent. Alors tu vas prier maintenant. Toute entité spirituelle qui se réclame Dieu, mais qui n'est pas Dieu au Togo, en ce moment même, qu'ils soient tous ligotés et jetés dans les abîmes. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout la cité spirituelle, que ça soit Mamie, que ça soit Tom, que ça soit Tigali, n'importe quel Dieu, n'importe quelle divinité, n'importe quel photo, il ne reçoive Dieu au Togo. En ce moment, c'est Jésus qui règne. Désormais, c'est Jésus qui règne au Togo. Désormais, c'est Jésus. Désormais, c'est Jésus qui règne au Togo. Maintenant, c'est Jésus qui règne. C'est Jésus ou rien. Que tous les faux dieux soient écrasés. Que tous les faux dieux soient écrasés. Tous les faux dieux soient écrasés. Que leurs hôtels prennent feu. Que leurs hôtels prennent feu. Leurs hôtels soient démoniques. Renversés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas prier que tous les esprits méchants, les esprits de domination, les principautés qui sont informés de notre mission au Togo soient enchaînés maintenant. Qu'ils soient ligotés et jetés dans les abîmes. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas encore prier. La Bible déclare que partout nous poserons notre pied, que ce lieu devient notre propriété. Alors tu vas prier. À partir de maintenant, le Togo appartient aux enfants de Dieu. Le Togo n'appartient plus aux ténèbres. Le Togo appartient à présent aux enfants de la lumière. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Combattant, nous sommes victorieux. Nous sommes
âme dans le camp ennemi, ennemi. Chauffez, 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 pied de guerre, pied de guerre. Dans le camp ennemi, ennemi. C'est le diable abonné. Il est sous nos pieds. Ah, ah. Il est sous nos pieds. Ah, ah. Il est sous nos pieds. Satan est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Ah, ah. Il est sous nos pieds. Ah, ah. Il est sous nos pieds. Satan est sous nos pieds. Nous sommes dans le camp ennemi. Ennemi. Pour arracher ce que le diable a volé. Nous sommes dans le camp ennemi. Ennemi. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds, il est sous nos pieds, ah ah, il est sous nos pieds, ah ah, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds, nous sommes dans le cas ennemi, ennemi, oh, chauffez, 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 nous sommes dans le cas ennemi, ennemi. Il est sous nos pieds, ah, ah. Il est sous nos pieds, ah, ah. Il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, ah, ah. Il est sous nos pieds, ah, ah. Il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Nous sommes dans le camp ennemi, ennemi. Arrachez ce que le diable a volé. Nous sommes dans le camp ennemi, ennemi. Arrachez ce que le diable a volé. Il est sous nos pieds, ah, ah. Il est sous nos pieds, ah, ah. Il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons inviter l'homme de Dieu, le prophète Élie, pour dire une parole prophétique sur la nation togolaise. Alléluia. Nous prions, nous levons la main droite au ciel. Seigneur, notre Dieu, le Dieu tout-puissant, Jésus-Christ, toi le Créateur du ciel et de la terre, la terre t'appartient. Et tu donnes la terre comme propriété à tes enfants. C'est pourquoi ce matin, nous déclarons à la terre du Togo de se soumettre à nous au nom de Jésus-Christ. Terre, terre, terre du Togo, du nord au sud, de l'est à l'ouest, à partir de ce jour, tu te soumets, toi et tous les habitants sur toi. Au nom de Jésus, revient et à Jésus-Christ de Nazareth. Père, Père, soumets-toi. 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 Soumets-toi à toute parole qui sortira de la bouche des enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Père, Père, écoute cette parole. Écoute cette parole. Oriente vers l'Église. Jésus revient. Tous les habitants du Togo, au nom de Jésus-Christ, paix, 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 de toi est sorti tout homme, car c'est de toi que l'Éternel a pris pour former l'homme. C'est pourquoi tu obéis, pendant que tu obéis, j'ordonne à tout être humain, fait de poussière, d'obéir à cette parole, toi homme, fait de poussière, tu obéis à la parole de ton Créateur, Jésus-Christ. J'ordonne dans la puissance et l'autorité de Jésus que tu obéis à la parole de la sainte doctrine, à l'évangile du salut, au nom de Jésus. Ciel du Togo, soleil sur le Togo, lune sur le Togo, étoile sur le Togo, la mer au Togo, les arbres au Togo, soyez cette armée puissante qui combat pour les enfants de Dieu. Seigneur, nous te bénissons parce que la victoire est scellée dans ton sang au nom puissant de Jésus-Christ. Et les cœurs sont obéissants à toute parole qui sera dite, qui sera prononcée pour la
ne plaît pas tout le monde. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Amen. Soyez fortifiés. Amen. Nous sommes là pour passer de très bons moments ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Passer de très bons moments ensemble. Amen. Dans la gloire de notre Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. On avance. Amen. Thank you.
Hallelujah! Amen. Hallelujah! Amen.
Ça montre que vous êtes des enfants de Dieu. Ça montre vraiment que vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Vous avez l'Esprit d'amour de Jésus-Christ en vous. Alléluia. Alléluia. Vraiment, je ne sais quoi dire. Ce lieu, je ne vois qu'à la télé. Mais maintenant, Jésus m'a amené ici. Alléluia. Ah, je suis dépassé. Je suis vraiment dépassé. Peuple de Dieu, asseyez-vous. Amen. Amen. Soyez vraiment fortifiés. Ça montre votre amour, votre vraiment engagement pour le réveil. Je sais que par vous, le Seigneur va faire beaucoup de choses au Togo. Le Seigneur va ouvrir les yeux aux aveugles spirituels du Togo. Et l'heure a sonné. Le moment est arrivé où le Seigneur va accomplir de grandes choses. Donc, ce n'est que le début du commencement. Pour le moment, on va juste se saluer et se retirer pour aller préparer les bonnes choses. Alléluia. Donc, par la grâce de Dieu, demain, on va se voir selon le programme. On va voir les devanciers et on va suivre le calendrier tel que défini. Donc, il faut vraiment que vous invitez vos proches, vous demandez aux gens, aux frères et sœurs, vos familles, vos contacts, vous les invitez à ce grand programme. Je vous le dis en vérité, en vérité. Le Seigneur Jésus-Christ veut faire de grandes choses au Togo, amen, comme il a commencé ailleurs. Amen. Et donc, vous devez jouer votre partition. Amen. Amen. Et nous n'allons pas trop tarder. Nous n'allons pas trop tarder. Nous allons juste vous saluer. Je peux permettre chacun des serviteurs de Dieu de vous dire un mot. Et on va se séparer pour le moment pour suivre et le programme respectivement tel que défini. Alléluia. Donc, tel que vous le savez, je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Jean Gracien. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Amen. Ma joie est grande. Ma joie est vraiment grande. Parce que le réveil au Togo a été combattu sur trop de fronts. Sur la terre, dans les airs, dans l'eau. Oh! Mais Jésus a eu la victoire. Jésus a vraiment eu la victoire. Et c'est ce qu'on appelle la fidélité. Jésus peut vous appeler désormais ses fidèles. Alléluia! Parce que si tu n'es pas passé par le test de la fidélité, comment on peut t'accorder la note de fidélité? Comment on va t'accorder 20 sur 20?
Il faut que toutes les épreuves arrivent. Il faut que toutes les manipulations viennent pour éprouver ta fidélité. Si réellement toi tu es fidèle au maître et tu es passé par tous les tests et tu as réussi, c'est ceux qui ont réussi qui sont là. Alléluia. Et le grand jour, c'est comme ça va se passer comme ça aussi. Quand le maître va faire le dernier va rendre son dernier résultat, c'est comme ça. Certains vont manquer. Ceux qui ont échoué au test de fidélité, ils vont manquer. Alléluia. Amen. Ceux qui n'ont pas réussi, ils sont dehors. Mais vous, le Seigneur vous a fait grâce. Vous avez réussi. C'est comme ça qu'il nous a aussi testé de plusieurs manières. Et il a vu que nous sommes fidèles. Nous sommes restés fidèles. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes restés fidèles. Et il a décidé de nous utiliser pour amener les autres dans son bateau. Amen. Donc vraiment, je bénis vraiment le Seigneur pour votre accueil. Très très chaleureux. Je me sens au milieu de mes frères, de mes soeurs, de mes mamans. Amen. Je me sens en famille. Et aujourd'hui, Jésus revient, c'est une grande famille. Alléluia. Je vous dis, si vous allez par exemple en France et vous portez cet habit là, je vous dis, quelqu'un va vous reconnaître. C'est ça. Et c'est comme ça, nous allons inonder la terre. C'est ça. Nous sommes devenus comme un virus pour le monde des ténèbres. Et nous allons envahir ce monde. Amen. Et rien ne peut nous empêcher. Alléluia. Rien ne peut nous empêcher. Rien. Rien ne peut nous empêcher. Sinon, regardez même la facilité avec laquelle aujourd'hui le Seigneur nous aide à avoir même les agréments dans les pays même les plus difficiles. Hein? Comment on peut avoir facilement l'agrément pour l'église Jésus revient en France aussi facilement? Acclamez pour Jésus. Alléluia. On a eu pour la France. On a eu pour la Martinique. Même pour la Martinique, là même, c'est grave même. Pour la Martinique, même là. Même, on a pris brevet pour le logo et pour le nom Jésus revient. Donc, personne n'a le droit d'utiliser le logo et le nom Jésus revient sur le territoire martiniquais. Alléluia. Aux États-Unis, c'est encore grave. Acclamons pour Jésus. Le Seigneur voit que Satan, il est fort dans la falsification, dans le piratage. Eh bien, il est en train de verrouiller les choses partout. Le groupe Jésus revient va demeurer authentique et accomplir la mission pour laquelle le Seigneur a suscité ce réveil-là. Il va atteindre ses objectifs. Alléluia. Ne vous tourmente. Que rien ne prend votre détermination. Restez serré. Restez déterminé. Et sachez que vous êtes dans le véritable. Alléluia. Vous êtes dans le véritable. Vous êtes dans l'original. Vous êtes dans l'authentique. Alléluia. Alléluia. Donc désormais, si quelqu'un vous demande, vous êtes dans quel non, papa dit dans quel. Vous êtes dans quel évangile? Vous êtes dans l'évangile authentique, original. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je vais laisser d'abord l'homme de Dieu, le prophète le prophète Élie. Alléluia. Et que le Seigneur a amené, envoyé en mission au sein du groupe Jésus revient. Et donc, je vais le permettre de vous dire un mot et les autres aussi vont vous saluer, vous vraiment
et manifester leur joie pour vous remercier. Amen. Alléluia. 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 C'est pas ça le temps, c'est qu'elle a. Gloire à Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus. Je suis content de me retrouver ici. On voit souvent les images de la cellule de Toti, mais on n'est jamais venu ici. Et aujourd'hui, le Seigneur nous permet d'être là dans le cadre de cette mission. Et nous avons vu votre engagement, l'engouement d'être dans la vérité, le feu. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour votre vie et surtout pour la vie des frères qui ont dévancé l'œuvre, qui nous ont dévancé, notamment les frères Joseph, les frères Pascal et autres, qui ont travaillé main dans la main pour que le réveil soit maintenu et que le feu subsiste toujours. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, il se passera beaucoup de choses, de grandes choses. Beaucoup ici me connaissent déjà, mais il est aussi important de se présenter. Je suis le pasteur Apollos du groupe Jésus Revient. Alléluia. Si je veux me présenter ici, je vais me présenter comme ça. Alléluia. Moi, je suis de la maison. Moi, je suis revenu. Je suis comme l'enfant prodige. Donc, on se connaît déjà. Je suis votre serviteur, l'apôtre Paul. Donc, on est là. Du Togo, que le Seigneur vous fortifie. La grande famille du Togo. Nous sommes très contents, mon cœur dans la joie, vraiment de vous voir aujourd'hui physiquement, parce que nous sommes liés spirituellement. Et nous voyons spirituellement, parce que nous sommes unis par le même esprit. Mais aujourd'hui, le Seigneur a permis que nous soyons physiquement présents ici pour vraiment allumer le feu du réveil. Et cela prouve que vraiment, le roi de gloire est entré ici. Amen. Il va accomplir des grands miracles. Amen. Et tous ceux qui sont ignorants de la vérité, de la sainte doctrine, qui sont dans les ténèbres, seront affranchis. Amen. Seront affranchis par la vérité. Amen. Et connaîtront réellement tous les fondements de la sainte doctrine qui conduisent à la vie éternelle. Donc que le Seigneur vous fortifie. Nous allons passer beaucoup de temps ensemble. Nous allons passer de bons moments ensemble. Amen. Et chacun de vous aura vraiment la solution à ces problèmes. Amen. Et vous serez une lumière aussi pour vos familles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Yes, 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 yes. Gloire à Jésus. 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 Jour tant attendu. Oui, le monde des ténèbres a tout fait
Mais le jour est arrivé à concrétisation. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Voilà, je suis le prophète Étienne de l'église Jésus revient Cotonou. Je suis très content d'être parmi vous. Gloire à Jésus. Shalom, shalom. Tu vas t'arrêter pas aujourd'hui. Je suis pas t'arrêter pas aujourd'hui. Mon père, je te bénisse. Je suis pas t'arrêter pas aujourd'hui. Alléluia. Amen. Je te bénisse. Je suis pas t'arrêter pas aujourd'hui. Alléluia. Je suis pas t'arrêter pas aujourd'hui. Alléluia. Je suis pas t'arrêter pas aujourd'hui. Constater que toute l'équipe n'a pas encore été présentée. C'est une délégation de 12 membres. Vous voyez, nous sommes 6 devant. Et hier, il y a 3 de nos frères qui nous ont devancés. C'est l'équipe technique. L'équipe technique était là depuis hier nuit, composée du cadreur des deux techniciens. Donc certainement, demain, vous les connaîtrez encore davantage. Alors, au milieu de nous, je vais présenter le reste de l'équipe. Je vais bien présenter le diacre Israël de l'église de Cotonou. Wow. Et dans la délégation, nous avons deux servantes. Comme aussi le Seigneur, c'est qu'elle se déplaçait en ses femmes qui l'accompagnait et le servait. Donc je vais bien aussi présenter notre sœur, la sœur Esther de l'église de Cotonou. Et je vais présenter notre sœur, la servante de Dieu, la sœur Abigail. Au Cameroun, elle nous a soutenus partout où on allait, elle nous servait et vraiment ce témoignage que nous avons, le Saint-Esprit a voulu qu'elle nous accompagne. Amen. Donc demain, le reste, l'équipe technique, vous allez la connaître. Donc c'était juste une salutation. Les choses n'ont pas encore commencé. Alléluia. Amen. Les choses n'ont pas encore commencé. Les choses vont commencer. Amen. Amen. Le réveil est devenu une réalité. C'est pourquoi je vous ai dit la dernière fois, nous devons passer de maison en maison pour annoncer, pour inviter. J'espère que vous avez fait. Oui. On a dit qu'on doit mobiliser combien de personnes par individu? 10. 10 par jour, non? Oui. On a fait combien de jours déjà? Donc voilà, c'était juste cette visite de courtoisie. Donc nous allons juste prier et nous retourner dans nos logements et demain, certainement, vous serez informés. J'espère que vous avez le programme. Oui. On a quoi demain? Caravane. Caravane, parle de quelle heure? 9h. 9h. 9h du ciel. Quand on dit 9h, c'est 9h. Oui. Alléluia. Amen. J'espère que les équipes sont déjà mobilisées. Oui. Tout est bon. Oui. Demain, on va envahir la ville avec le feu de l'évangile. Amen. Donc que chacun prépare son mégaphone, les traités, les invitations, vous en avez. Donc demain, nous allons vraiment faire ce tout pour annoncer, pour présenter au peuple togolais que le réveil tant attendu est là. Et que chacun vienne au feu. Amen. Amen. Donc dans la soirée, c'est tellement noir, une petite réunion avec l'équipe de comité d'organisation pour la suite. Donc dimanche, il y a un culte, et là vous verrez ce que le Saint-Esprit va nous réserver. Amen. Donc je ne vais pas trop parler, donc vous allez lever, on va faire cette prière. Amen. Amen. Ah, bon. Le frère Joseph vient de me dire que finalement, on nous a donné
l'autorisation pour la caravane. On nous a donné l'autorisation pour la caravane. Jésus-Christ, avec son année, va marcher demain. C'est l'heure du combat, mais c'est Jésus qui a la victoire. Nous savons que ce réveil est authentique. Amen. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, Papa, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu nous as conduits, sains et saufs. C'était un voyage merveilleux. Et nous sommes venus, nous avons vu nos frères, dans nos soeurs, dans une liesse de joie. Père éternel, nous avons proclamé ton autorité. Nous avons proclamé ton règne sur le Togo. Et nous savons que, oui, le Togo sait que tu es là et que tu règnes sur lui. C'est pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, tous les enfants ici présents, je te prie de les remplir encore plus de joie. Et que ceux qui sont encore dans leur maison et qui pensent venir, mais pour des raisons ne pas plus, je te prie aussi de les fortifier. Seigneur Jésus, pendant que nous sommes là, envoie tes anges dans chaque maison pour sonner la trompette, pour appeler à la mobilisation, que personne ne reste loin hors de ce merveilleux événement. Seigneur Jésus, nous te remettons tout le programme. Esprit de Dieu, je te prie. Que ce programme soit un succès total. Seigneur, je te prie que tout obstacle que l'ennemi va mettre sur nos chemins, par ta puissance, que ce soit anéanti au nom de Jésus. Seigneur, je te prie, facilite tout le chemin, facilite les procédures, et que les moyens viennent de part et d'autre, afin que la mission, afin que les activités de cet esprit impactent les vies, impactent le pays, impactent le corps de Christ. Seigneur Jésus-Christ, Papa, devant nous dans nos demeures, je te prie que ton esprit soit avec nous. Et demain, garde-nous afin que la grande mobilisation, la grande caravane d'évangélisation puisse vraiment jouer, atteindre son objectif qui est d'informer ton peuple de ton retour, qui est d'appeler ton peuple au feu du réveil. Seigneur Jésus, je veux te dire merci. Merci pour tout. Reçois la gloire, l'honneur et la majesté au nom puissant de Jésus. Amen. 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 On se donne rendez-vous demain. Avec que Dieu vous bénisse.